Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce troisième épisode des aventures sur Arc Ragnarok. Et je suis solo toujours, hein. On va pas changer une petite équipe qui gagne, c'est-à-dire moi et moi-même. Donc les petits changements, la petite maisonnette elle est terminée, mais oh regardez, un Dilophosaure et un Lystrosaurus. Oui, c'est deux nouveaux petits amis que j'ai pris le temps de pouvoir avoir ce qu'il faut pour faire la selle, hein, parce qu'on n'allait pas faire du craftage pendant 3 heures, sans quoi ça aurait duré 3 heures. Donc voilà, ça y est, on a enfin notre petit parasaur avec sa petite selle et on va pouvoir commencer enfin à aller explorer, hein. Donc voilà ce que je vous propose pour cet épisode, les amis, c'est de partir explorer un petit peu en fait les contrées lointaines de Ragnarok et de voir un petit peu tout ce qu'on peut trouver, hein, ici et là, bien évidemment. Alors on va lui augmenter un peu de poids quand même et après on va augmenter surtout de la vitesse et de l'endurance parce que ça va être notre parasaur de secours et de la vie aussi, tiens, on va en faire un petit tanky, tant qu'à faire. Donc voilà, en espérant ne pas tomber sur un carnivore, c'est parti pour l'exploration. Alors où est-ce qu'on se trouve? Au nord-ouest de l'île. C'est pas top. Faut aller vers le sud. Allez par là. Écoutez, on va pas encore été par là, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a un peu partout. Le mieux c'est sûr serait de pouvoir tamer un volant. Donc dès qu'on aura l'occasion, on va se faire un petit volant des familles, un petit Ptera. Hein. Ce serait cool de pouvoir tamer un Ptera. Comme ça on peut aller partout. Après on verra plus tard pour d'autres volants. Déjà un Ptera ce sera bien. Ah voilà quand même, je me disais bien qu'il pouvait ramasser des baies. Voilà. Bon, il a du mal, hein. Il est teubé, c'est pas sa faute, c'est qu'un parasaur. On peut pas lui en vouloir. Non, mais pique la plante, connard. Ok. Ok, ok. Alors l'objectif aussi, ça va être de ne pas se perdre. Parce que je pense que, bon, je vais pouvoir à peu près m'en sortir. Le parasaur, par contre, ça reste à voir. Ok, il y a notre parasaur en bas. J'ai une idée des familles qui déchirent ou pas. Oula. Ok. On va essayer de récolter un peu de pot tant qu'à faire. Hop, pas bouger. Allez, maintenant, meurs. Il va bien finir par mourir. Allez, meurs. Pire, c'est que j'ai un arc. Parfait. Oh là là, non, tombe pas! Non, 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 oh là, il m'a emporté avec lui! Oh là là, oh là là! Il a du mal. Ah voilà! Comme ça, on va pouvoir faire d'autres bolas, mais non, en fait, j'ai pas ce qu'il faut. Ah, c'est une carbonémie, j'ai eu peur, je vais dire, qu'est-ce que c'est que cette grosse bestiole qui bouge? C'est bon. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire les bolas? À chaque fois, j'oublie, c'est un truc de dingue, j'arrive pas à retenir ce qu'il faut pour les bolas. Pour les bolas, hein? Non, commun, à distance. Des bolas, il me manque. C'est du branchage qui me manque. Très bien, on va prendre des petits branchages des familles, hein, tant qu'à faire. Voilà. Et on va s'en crafter. Bah, on va s'en crafter un parce qu'on peut encore en crafter un. Bon, on va attendre de pouvoir faire les flèches tranquillisantes pour pouvoir tranquillement se faire un petit terrain des familles. Manqué un peu de balle. Vérifie parce que ce que j'ai pas envie c'est qu'il y ait d'un seul coup une grosse bestiole qui vienne et qui me tue entre deux. Je suis vraiment dégoûté. Mais bon, à part des parasaurs, je ne trouve rien. Donc c'est que ça a l'air d'aller. Ah, c'était Gozor là-bas. Ça se voit qu'on est dans une jungle, il y a plein de bruit. Bon. On va éviter de se perdre. Où on est? Oh, mais on n'a rien fait en fait. La map elle est gigantesque ou je rêve? Alors, c'est moi qui n'ose pas aller trop loin. Je pense plutôt. Je me demande s'ils ont rajouté des dinos sur Nero. Tiens. C'est qu'il y a le griffon, je crois. Oh, ah, mais en fait, ah, je veux pas du tout vers le sud. Oh là, oh là, oh là. Je longeais les côtes. Ah oui. Il me faut vraiment partir en fait par là.
Oh, le terrain. Bon, bah, on va partir en direction du bronchio, du bra... brachio, je sais plus si c'est broncho ou brachio. Oh, on peut tirer sur le dos du parasaur. Ah, c'est cool ça. Je me rappelais pas qu'on pouvait faire ça. Le stégosaure. Ouais, vu qu'on va faire principalement d'exploration, je félicite. L'utilité de tame. Un stégosaure en fait. Ah ça va, il résiste bien l'endurance. Bon, il va pas exceptionnellement vite, mais bon, au moins il a de l'endurance, hein, le petit père. Il a de l'endurance. Ah putain, le soleil. Arc et le soleil. Ok, bon. Je sens qu'après je vais faire une sorte d'ascenseur pour pouvoir monter ici plus rapidement. Oh! Un petit Fiomia. Alors ça donnerait quoi si je voulais? Mais c'est pas mal en fait de... Oh, Iguanodon. Oh! Qu'est-ce que... Je vais attaquer par quoi? Des compis. Allez, par hasard, défends-toi. C'est pas des petits copsognathus de merde qui vont te faire chier. Ah bah si, faut croire qu'il galère. Il galère à tuer des compis quand même. Ah, quand même. Mais bute-le! Il est où? Ah. Ah, quand même, par contre. Qu'est-ce que je me dis? Il peut pas ramasser la viande. Donc, tant qu'à faire, c'est moi qui vais ramasser la peau. Par contre, reste près de moi, petit parasaur. On ne sait pas ce qui peut t'arriver. Regarde, un autre parasaur. Veux-tu t'accoupler? Non, je sais que ça ne fonctionne pas comme ça. Bien évidemment, je sais qu'il faut un enclos et les mettre en balade, mais bon. Une autre carbonéminis, ok. Je me demande si un iguanodon ça va plus vite, tiens. Si vous savez, dites-le moi. Ça pourra m'être utile. Un dilophosaure, on va éviter de chercher la merde. Un autre dilophosaure, bon. Oh, un ptera. Ouais. Ouais. Mais écoutez, pour moi, l'exploration me paraît étrange. Le pire, c'est que je crois que si là je descends, j'arrive chez moi. C'est-à-dire que j'ai pas exploré grand-chose. Je suis déçu. Je suis déçu. C'est un raptor. Oh putain, c'est un raptor. Oh putain. Je crois que si je peux t'aimer un raptor maintenant. Ouais, mais c'est chaud. Il est solo? Ouais, il est pas solo en plus. Putain, il ira plus vite que moi, un raptor. Je fais quoi? Je prends le risque ou pas? En plus, j'ai pas de lit encore. J'ai toujours pas fait de lit. C'est pour ça que je voulais de la peau. Non. On va éviter le raptor. Vous savez quoi? On va éviter de chercher la merde. Hein, on va éviter de mourir maintenant. Ce serait bête. Il a marre de mourir à chaque épisode. Même s'il y a une mort par épisode, on va essayer de le contourner. Vous savez quoi? On va essayer de le contourner. Il fait nuit, ça c'est la mauvaise nouvelle. Je le vois plus, je sais pas du tout où il est. Bon. On tente un forcing. Forcing des familles. Il est là. Il m'a vu, 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 il m'a vu. Qui gagne entre le parasaur et le raptor? À vos paris. Je crois que mon parasaur va y passer. Les mots aussi d'ailleurs. Ah non, je l'ai eu! Oui! J'ai pu sauver mon parasaur! Oh là 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 là, la quête du raptor! Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très dangereux de rester là. Mon petit parasaur, tiens, mange des baies.
Je souhaite que ta vie remonte rapidement, s'il te plaît. Parce que c'est pas qu'on est mal au point, mais c'est qu'on n'est pas bien, tu vois. Autant toi que moi. Ah bah lui, il a pas level up. Ok, bon. C'est pas grave. Hein. Moi, oui. La résistance, on attend encore un peu. La vitesse. Pour pouvoir courir vite et s'enfuir. Alors. Ah, même le parasol a rigolé à ma blague, vous voyez. Comme quoi. Comme quoi. Bon, bah, pour le moment, je ne crois pas qu'il y ait des choses seules de Pachi. Pachi, ça m'a besoin. Non, bah, écoutez, là, pour le moment, de ce qu'il y a. Ce qu'il y a, je n'en ai pas vraiment l'utilité. Ouais, si vous vous en trouvez. Enfin, si vous vous en trouvez. Si vous trouvez une utilité quelconque, n'hésitez pas à en faire part. S'il y a des choses que je dois impérativement. Acheter ou autre. Oui, je sais, j'aurais. Enfin, je sais ce que vous pensez. J'aurais pu tame le raptor. Mais c'était un risque à prendre. C'était ma mort ou la sienne. Et j'ai préféré que ce soit la sienne entre nous. Au moins, je ne suis pas mort sur cette partie. Enfin, je parle peut-être trop vite. Hein? Parce qu'on va pas exagérer, mais je peux encore mourir. Mais voilà. J'aime pas quand il fait une... On ne voit plus rien. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. C'est un parasaur. Il m'a fait peur. C'est pas bien, monsieur Parzor. C'est pas bien. Mais pas bien du tout. Bon, j'espère que la nuit va vite passer. Oh. Oh, regardez là-haut. Un tapé de Jara. Oui, c'est pas un Quetzal. C'est tapé de Jara, ça. Ou c'est Quetzal. Je sais pas. Je les confonds toujours. Oh merde. Marche arrière. Bip. 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 Oh, il y a un dodo. Bon, de la bouffe, on en a. De l'eau, pour le moment, ça va. Donc on continue d'avancer, d'explorer. Sans mourir. Oh là là, je n'ai plus aucune visibilité, vite. On va aller par là. On rush. C'est pour ne pas tomber sur des kikoulol. Parce que j'ai pas des kikoulol, c'est des dinosaures bien casse-couilles. Non. Ça va, ça m'est sorti. Bonjour monsieur Parzor, pardon. Je ne fais que passer. Des dodos. Bon, jusque-là, rien de dangereux. Aïe. Des compis à nouveau, super. Ah, mais ils sont en masse! Ok, cours, Parazor, cours! Cours pour ta vie! On fait un demi-tour! 360 noscopes, ils arrivent! Voilà, on va leur niquer leur mère. Allez, bousillez! Oh la vache, ils sont. Oh! Mais c'est l'invasion. Mais c'est pas vrai, j'ai jamais eu autant de compis. Ah, les 360 noscopes, ish ish, comme dirait Marvin. Faire des figures en parasaur, vous avez déjà vu ça? Les meilleurs skateurs, ils montent pas d'autres parasaur. Allez hop, ça c'est fait. Et mon parasaur, il dépouille. Il bute des compis, les gars. Allez! Allez, 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 allez. Mais c'est imperfect. Enfin, non, j'ai pris des dégâts, mais il s'est bien débrouillé. Moi, allez, on va augmenter un petit peu sa vie parce que mine de rien. Oui, voilà, tu es content. Il est content, parasaur. On a survécu une nuit grâce à toi. C'est bien, je suis fier de toi. Tu auras des Smarties. Bien, continuons notre exploration. Vraiment, un volant, ce serait vraiment plus pratique, mais pour le moment, je veux explorer la Terre. Oh, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh là là là, ça fait vraiment passage vers la cité perdue, direction le monde de Narnia. Oh, ça fait... C'est beau, ça fait jungle. C'est super beau. Oh, on dirait une grotte. Je crois que c'est une grotte. C'est pas je crois, c'est une grotte. Par contre, le problème, c'est que je ne vois que dalle. Attendez, vous savez quoi? On va faire une petite torche. Enfin, normalement, je peux, mais c'est pas sûr. Mais oui, je peux. Parfait. On va la mettre en bas. Là, voilà. Parfait. On va aller regarder un petit peu ce qu'elle parle. Ok. Le jeu a failli friser, mais c'est pas grave. Oh là!
Et dire que j'allais avancer, mais c'est un piège. Ok, ben vous savez quoi? On va faire demi-tour. Non, 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 doucement, fais pas le con, fais pas le con. On reviendra ici plus tard. Je ne savais pas qu'il y avait des grottes de ce style-là. Ah d'accord, ok, comme ça devait être un donjon, une grotte, parce que le jeu a totalement freeze. Non, oui, peut-être. Je ne sais pas. Ok, le jeu a freeze. C'est super. Bon, bien les amis, j'espère qu'en tout cas l'enregistrement fonctionne. Bah non, non, c'est bon. Ah bah c'est bon, on m'a dit que j'allais couper l'épisode au cas où. On sait jamais, hein. Faut toujours prévoir, vaut mieux prévoir que guérir. Bon, les grottes évitées. Le jeu est tellement bien optimisé qu'il freeze lorsque l'on rentre dans un bâtiment ou dans une grotte. C'est chouette. Oh là. Oh là là, mais que c'est beau. Oui, des trucs rouges là-bas. Qu'est-ce que c'est? Tu vas m'attendre ici. Non, 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 pas bouger. Waouh. Ça se ramasse? Non. En tout cas, niveau déco, ça en jette. Oh! Oh! Et on a une belle vue, hein? Donc là-bas, il y a une grosse montagne encore. Ok. D'être de jour, ça permet d'avoir un quand même meilleur aperçu que de nuit. Oh là, mais c'est trompeur. Faut faire gaffe ici. En fait, il y a plein d'endroits où. Oh, 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 j'ai failli tomber ici aussi. Décidément, moi et le vertige. Enfin, moi et l'altitude. Parce que le vertige, ça, je l'ai pas trop. C'est un argent à vis. Oui, c'est un argent à vis. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Allez, monte en haut de la montagne, on sera plus en sécurité. Kezako. Il y a. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais il ramasse du bois aussi. D'accord, je ne me rappelle pas que le parasol peut faire ça. Mais. Non, non, tombe pas! Je sais pas pourquoi on va remonter. Oh! Mais c'est que c'est magnifique! Je pèse mes mots, c'est vraiment magnifique en plus. Bah, vas-y, fais ta pause caca, vas-y, je sais que c'est important. Hein. Tous nos besoins. Je peux comprendre. Y a rien en haut? Non, d'accord, ok, je pensais qu'il y avait un objet à ramasser. J'étais content, bah non, hein. Faux espoir. L'inconvénient, c'est que j'ai qu'un arc, donc j'ai uniquement pour attaquer, mais pas pour lutter. Ça met l'argent de la vie, et je crois qu'il m'a vu. S'il m'a vu, je suis dans la merde, mais alors. Ok, je vais me barrer. Je vais pas rester ici plus longtemps. On va se barrer. Oh, se barrer et continuer d'explorer. Oh là là, mais que c'est beau! Mais que c'est beau, mais que c'est beau! Oh là là. Doucement, doucement. T'emballe pas, Jaco. C'est vraiment magnifique. Hein. Il y a du métal ici, ça c'est cool. Ça dit qu'il y a un truc au-dessus de moi. Eh oui, effectivement. Il y a un argentavis. Je pense que je peux passer en dessous sans qu'il m'attaque. Eh mais franchement, c'est un gouffre en endurance, cette bestiole-là. C'est cool! Une par hasard survie à tout. Oh là là. Oh, où est-ce que je suis? Oh. Oh. Oh là. Oh la limite. Hein. Mais waouh! J'adore l'architecture comme ça fait un peu penser à civilisation. Très ancienne, 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 ancienne. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon. C'est pas tout ça. Mais il faut continuer à explorer. Hein? On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Qu'est-ce qu'un scorpion fait là? Avec un bidule pointe là. Oh, ça se trouve c'est une zone à scorpion. Comme je connais pas du tout où spawnent les dinosaures, je risque d'être très rapidement surpris par une grosse bestiole. Non, enfin. Un stuff, ça se refait, n'est-ce pas? C'était quoi ça?
Il a faim. Ah putain, c'était quoi ça? Mon dieu, bordel! Désolé pour vos oreilles, mais qu'est-ce que c'est que ce machin truc? Mais cours, bordel, cours! Bon, écoute, tu sais quoi? Bouffe mon parasaur! Pas moi, pas moi! Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, les gars! Faut que je cours pour ma vie. Me suis. Je ne sais pas du tout ce que c'était comme type de dinosaure. C'est la première fois que j'en vois un. On aurait dit une espèce de petit T-Rex avec des cailloux sur la gueule. Je sais pas du tout ce que c'était. Bon, bah l'objectif, ça va être de retourner au campement. On a perdu le parasaur aussi vite qu'on l'a regagné. C'est pas grave. Moi, ça nous a permis d'explorer un petit peu des nouveaux horizons. Et de rencontrer un dinosaure très 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 bizarre sur lequel je vais me renseigner et dont on parlera au prochain épisode. Bon, je pense qu'il sera un peu plus long que les épisodes de d'habitude, mais... Mais comment dire? Mais on va vraiment essayer de faire quelque chose. De rentrer vivant. Oh, trop bien, des ankylos. Mais c'est parfait. Oh merde. Oh merde. Vous voyez pourquoi j'augmente la vitesse? Comme ça, je cours très très vite. Vous savez quoi? On va se mettre en sécurité sur le dos de la Carbonimis. Oh! Voilà, comme ça, elle a attaqué la Carbonimis et là, ça va chier. Et il est toujours en mon cul, mais... C'est bon, il m'a lâché. Ok. Ah oh là 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 là. Eh les amis, franchement, je ne sais pas ce que c'était comme bestiole, mais... Mais je vais boire. Mais je vais boire, mais je sais pas du tout. Je connais pas du tout ce dinosaure, c'est même la première fois que... Que je le revois, je crois pas qu'il soit sur The Island, en tout cas je n'en ai jamais vu sur The Island. Et niveau 35, bon, là, c'est pas pour tout de suite, je suis un peu déçu. Mais waouh! Waouh! Franchement. C'est hyper. Qu'est-ce que. Mais oh non! Ok, on va réutiliser la Carbonimis de tout à l'heure. Hop! Ah, ils osent pas venir comme une Carbonimis, d'accord. Genre, elle me protège, mais c'est un truc de ouf. En fait, il m'en faut une. Je la t'aime à fond vitesse. Oh! Elle a de la peau gratuite, je vais pas cracher dessus. Bon allez, rentrons. Rentrons, hein. Prenons un petit ptera des familles. Qu'est-ce donc? Un dilo qui court après un dodo. Pauvre dodo. Il se défend même pas, hein. Ils sont nuls, ces dodos. Oui, bah t'es nul aussi. Il m'insulte. Bon, tant qu'on est caché dans les feuillages, on ne craint rien. En fait, je ramasse des baies, moi ça me fait des fibres. Ça peut toujours servir. Ok, bon. J'en suis encore tout. Je suis encore tout remué de ma rencontre. Oh putain. C'est joli. Franchement. Franchement, je n'en reviens pas à quel point c'est magnifique. Faut que je retrouve mon chez moi par contre. Je ne sais même pas si je suis sur la bonne route en fait. Oui, je dois être sur la bonne route. Oui. Je pense. Continuons par là. Oui. Cette plage me dit vaguement quelque chose. Nombre de fois où je suis mort et que je suis revenu ici. Bon. Une fois rentré à la maison. Bon, l'épisode, évidemment, les amis, il va se terminer. Hein, parce que voilà, faut bien un moment que ça se termine.
Et moi, de mon côté, je vais commencer à farmer un petit peu tout ce qui va être bois, pierre et autres pour monter le niveau et pouvoir tame un Ptera. C'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, je vais avoir de quoi pouvoir tame un Ptera. Je vais faire en sorte d'arriver jusque la selle. Je crois que c'est niveau 40 ou 50. Donc, je vais farmer pour vous dire. Je vais faire une belle base caca quelque part, mais histoire de pouvoir bien farmer correctement. Et qu'on puisse explorer ensemble à nouveau cette île mystérieuse et dangereuse, surtout dangereuse, parce que ben. Oui, merci de faire caca, c'est cool. Parce que franchement, je m'attendais pas à tomber sur ce truc-là. Mais vraiment. J'étais très 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 surpris. Attendez, je suis paumé là? Non, c'est bon, je me rapproche. Oh, j'habitais si loin que ça, j'ai pas fait tout ça avec mon parasaur quand même, si? Je commence à être dubitatif dans l'endroit où je me trouve. Ouais. Peu importe. Ah, j'ai pris cher. J'ai glissé, chef. Je regrette. Je regrette amèrement. Je regrette amèrement la mort de mon parasaur, mais hélas, c'était lui ou moi, et à choisir, je préfère que ce soit lui. Mais je pensais pas tomber sur cette chose-là. Non, il y a un petit T-Rex. Enfin, un gros vélociraptor, donc un petit T-Rex, quoi. Rapide. Parce que mon T-Rex est rapide aussi, Marc, mais. Ouais, je suis choqué. Je suis vraiment sous le choc. Je sais pas ce que c'est comme bestiole. Après, je vais me renseigner. Bah, pareil, si vous savez, dites-le-moi dans les commentaires. Parce que je sais pas si je tomberai notre épisode aujourd'hui. Mais en tout cas, il sera publié. Aujourd'hui. Donc voilà, tant qu'à faire, envoyez-moi directement par commentaire si vous savez ce que c'est comme dinosaure, comme ça moi j'aurai des recherches plus rapides à faire. Oui, c'est là-bas, ce rocher, c'est là le rocher où je spawn à chaque fois. Donc j'approche de chez moi, oui. Putain, j'ai fait de la route en vrai avec mon parasaur, je pensais que j'avais fait 2 mètres, mais j'ai été loin comme quoi. Ne jamais se fier aux apparences. Un parasaur averti en vaut deux. Dixit et Vals. Alors, si je m'abaisse, c'est pour gagner ma stamina plus vite. Hein. Je dis ça pour ceux qui savent pas. Je dis pas que je sais tout sur Ark, mais les choses que je sais, je les partage. Oh là 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 là. Bon, j'arrive de la maison. Non, j'arrive près de la maison. Donc, les amis, je vous dis déjà au revoir à l'avance. D'accord. Je vous demande, s'il vous plaît, donc, de me dire tous les dinosaures dangereux de ce style-là qu'il y a sur. C'est Ragnarok dont je n'étais pas du tout au courant, parce que ben je ne connais pas du tout. Je suis même très étonné. Après il y en a peut-être sur The Island, ils ont peut-être rajouté ça suite à une nouvelle mise à jour, mais je n'ai pas été informé. Enfin je suis pas au courant. Je suis pas au courant qu'il y a ces nouveaux dinos chelous, si je peux appeler ça comme ça, des dinos chelous. Mais s'il y en a plein d'autres comme ça des dangereux. Ah merde! Qu'est-ce qu'il fout là lui? C'est pas Gérard? Non, c'est pas Gérard. Parce que Gérard a toujours disparu. Gérard est toujours porté disparu. On ne sait toujours pas si Gérard est vivant ou mort. J'ai pas retrouvé son cadavre. Et il n'apparaît pas dans le truc étant mort, quoi. Donc, s'il n'est pas mort, c'est qu'il est vivant. Oui, je sais, ça paraît logique comme phrase, mais. Il faut y penser. Allez, plongeons! Si j'avais dit que je pêcherais, je pêche pas. Mais en même temps, je crois que le poisson donne moins de nourriture que la viande. Un parasaur, bah parfait! Hein, on a déjà trouvé notre parasaur numéro 2. Bon allez les amis, sur ce, on se retrouve pour le prochain épisode. Je vous embrasse très fortement. Je crois que chaque épisode, on fera en sorte de les terminer ici. Allez, salut!